Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Playbimo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a mis un petit peu de temps à sortir. Pas grand-chose, hein, juste un an, je crois. C'est pas si grand que ça. Hein. Bon, d'accord, oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Enfin, d'ailleurs, j'ai vraiment failli arrêter la chaîne. En fait, j'ai eu de très gros problèmes avec Minecraft qui a arrêté de fonctionner correctement. Je ne pouvais plus rien faire dessus puisque c'est vraiment le jeu principal de la chaîne, voire le seul auquel j'ai joué, si j'ai joué à Civilization. Mais voilà, hein, j'ai pas vraiment de diversité là-dessus. Et ben, je ne pouvais plus faire de vidéo, donc j'ai abandonné. Et puis j'ai réussi à réinstaller Minecraft, à remettre tout correctement. Je sais pas trop comment j'ai fait, mais j'ai vraiment tout enlevé, toute trace de Minecraft, et j'ai réussi enfin à revoir ce jeu. Je suis très très content parce que je vais pouvoir refaire des vidéos. Elles ont été assez attendues, hein. Là j'ai remarqué dans les commentaires, voilà, certains qui notaient mon absence et qui me demandaient de refaire des vidéos. Bah voilà, je suis de retour, je vais pouvoir faire de nouvelles vidéos, et bien sûr. Eh bien, j'ai décidé pour cette toute première vidéo depuis mon absence de relancer une série que j'avais fini pas longtemps avant d'arrêter. C'est Ice Trip, voilà la deuxième saison. Enfin, c'est pas vraiment Ice Trip comme les autres en fait, c'est vraiment même, c'est différent, c'est vrai, c'est juste l'univers qui est le même. Il fera froid, ce sera la neige, on devra survivre. Là, tiens, il y a la neige qui commence à tomber. Ça va être voilà le même but, hein, de rester le plus longtemps possible, voilà, sans mourir, et prendre le plus d'XP possible. Sauf que là, je ne vais pas être contraint à rester dans un carré pour faire mes constructions et mes défenses. Bah, en fait, mes défenses, je vais devoir les faire tout seul et su survivre vraiment tout seul, en fait. J'aurai juste ce coffre derrière moi, voilà, avec ça pour survivre. Voilà, il n'y a pas grand-chose à manger. Il y a surtout des monstres. Voilà, donc je ne sais pas si cette série va durer longtemps. Mais en tout cas, bah, ça commence très bien. Il neige. Et en plus, c'est un orage. Donc je vais tout de suite aller trouver un moyen de me réfugier. Tiens, on va se mettre dans le sol. Ah, c'est pas une bonne idée. Je vais surtout me mettre en hauteur. Là, pour l'instant, je ne suis pas trop attaqué. En fait, si. Voilà, il est là. Ouh, déjà, ça commence bien, un petit peu de tous les côtés. On va essayer de la virer de là. Ouais, c'est très compliqué. Ah, je suis tombé. Voilà, et en plus, ouais, ça n'a pas l'air de vraiment gérer toute cette neige qui tombe là. Le jeu, il n'aime pas du tout. Et surtout mon ordi. Voilà, du coup. La série qui va commencer, je suis très content, j'aime beaucoup cette série. Surtout, ça vient, hein, bien sûr, c'est directement inspiré du Sandust. Pour ceux qui ont déjà vu Sandust, c'était à peu près le même principe que Ice Trip, enfin que l'ancienne saison, la première saison. Sauf que du coup, bah, j'ai fait que deux saisons, je crois, et après je me suis mis à faire Ice Trip parce que sinon ça allait continuer. Je pense que j'en ferai d'autres. On verra si j'ai d'autres idées pour les Sandos, mais j'ai vraiment utilisé la neige et ça parce que c'est des. Enfin, il n'y a pas trop de. On peut pas trop construire ni manger. Il y a beaucoup de mobs. Je vous propose de faire d'attendre ici, hein, comme un dégénéré. Hein, parce que là, on va pas dire que ce soit très agréable. Alors, je vais attendre ici pour voilà pour que la neige passe. Je suis un petit peu enfoncé dans l'arbre. J'ai pris 2-3 blocs de bois pour être tranquille. Parce que je me suis attaqué par une araignée. Pourquoi j'ai une carotte? Je l'ai attrapée où cette carotte? Je sais pas. Bah, je vais la manger. Voilà, du coup, bon, il y a une petite araignée, je vais descendre du coup. Voilà, on pourra se faire des maisons, des trucs, hein, vraiment partout. Même si, voilà, un petit peu le but, c'est de voyager. En plus, cette map, elle a une petite spécificité. Un truc en plus, hein, des autres maps, elle sera. Oula, salut! Ah bah je vais te massacrer. Ah, ça fait déjà un peu d'XP niveau 1. Super. Du coup, s'il y a un petit truc qui va rendre un petit peu la map un peu plus hardcore, je vais vous faire découvrir là. Normalement, on voit, il y a un peu de vide partout parce qu'on est sur des îles. Hein. C'est un petit peu la génération de cette map. Ça va être des îles un peu de partout. Là-bas, il y a une petite mine. Donc, ça va être plutôt chaud. Voilà, hein, on va passer d'île en île pour essayer de voir des trucs. Tiens, c'est plutôt pratique ça. On va les tuer lui.
Pour l'instant, j'ai un arc, mais du coup, au fur et à mesure, hein, on va un petit peu user tout ce qu'on a, et quand on n'en aura plus, ce sera beaucoup plus compliqué de survivre. Je viens de me faire agresser par quoi? Ah mince. Il est où le vagabond? Je me suis pris là, lenteur, donc ça doit être un vagabond généralement. Je sais pas du tout où il est. Il est à l'abri dans la flotte. Et meurt. Voilà, niveau 3. Du coup, on va essayer de faire le plus de niveaux possible. Hein, voilà, c'est quoi ça? C'est une construction. Je me demande s'il y a des villages. Ça serait intéressant qu'il y ait des villages, tiens, dans cette génération. Moi, j'ai vu, là, il y avait une mine. Des villages, je sais pas. On va commencer à couper un arbre, du coup. Voilà, on a, pour l'instant, hein, j'ai du fer. Je suis plutôt tranquille. Mais voilà, on voit très vite, du coup, qu'il n'a pas de mouton. Donc, dormir, ça va être chaud. Et toutes les nuits, on devra résister aux mobs. Un petit peu le but, hein, des Ice Strip Sandust. Hop, est-ce qu'on passe sur cette île? Pas besoin, du coup, elle est reliée. On voit, il y a. Oui, du coup, c'est vraiment bizarre, du coup, cette génération. On a vraiment des trous, du vide de partout. Donc, si je tombe, je perds, hein, ça, c'est sûr. Il y a des roses. Un petit peu bizarre. J'ai pas envie de tomber. On va tout de suite mettre ça. Voilà, pouvoir passer d'île en île. Ah, il y a du fer là-bas. Il y a du fer, j'ai vu ça. Ce sera un peu compliqué d'aller chercher le fer. Et du coup, ouais, pour l'instant, c'est jour, donc on est plutôt tranquille. On va aller sur cette île. Tiens. Ouais, on va y aller tranquille. Ouais, normalement, je devrais pouvoir pas trop me faire mal en sautant. Chauve-souris. Ouais, parce que du coup, ouais, sur cette nouvelle version, hein, 1.15, il y a toutes les abeilles et le miel, avec le miel qui donne une énorme saturation. Donc du coup, ce sera pour manger. Et en plus, il donne beaucoup de bouffe. Ça sera pratique pour reprendre vite des cœurs, ça j'en veux pas. Et après, sinon, se nourrir, ça sera les ours, parce qu'il y a des ours polaires. C'est pas très gentil de les taper, mais ils donnent du poisson, donc c'est plutôt pratique. Et par contre, ils sont bien rares. Il y a une grotte, je sais pas trop. En fait, du coup, je me suis un petit peu. Ah, ça sert complètement à rien ce que j'ai fait en fait. Je me retrouve sur une île isolée avec rien du tout dessus. Et je vais encore user du bois pour aller de l'autre côté. Je vais essayer d'aller le plus bas possible. Est-ce qu'avec 15 planches, ça passe? Je suis pas sûr, hein. Ah non, je pense pas que ça passe avec 15 planches. Hein. Je vais vraiment me faire mal si je saute. Non, peut-être pas. Prendre un petit bloc de terre. Hop, ça risque d'être assez compliqué quand même, comme map là. D'avoir vraiment des îles de partout. Si jamais je suis poursuivi par une bonne dizaine de mobs, ça va être bien compliqué, j'imagine, pouvoir m'enfuir. Lui, j'aime pas. Tout de suite aller tuer. Je rêve, il s'est barré. Mais il veut vraiment pas mourir. Hein. Là, sinon, il y a la chair putréfiée qui peut aider. Oula, les grottes. Est-ce qu'on va pouvoir trouver des trucs? Ouais, j'ai plus de bois. Donc, ça sert pas à grand-chose. On va surtout monter. Voilà, du coup, je pense pas puisque la profondeur est très haute. Hein. On n'a pas vraiment de profondeur. Du coup, ça sera. Ce sera impossible de trouver du diamant, hein, ça c'est déjà c'est clair, on ne pourra pas en trouver, donc ce sera maximum du fer hein, pour se protéger. Si j'arrive à pouvoir aller chercher normalement ça devrait être bon, hein, mais voilà, ça va être plutôt chaud de survivre longtemps. Ah, ça sera plus hardcore hein, que l'ancien Ice Strip où on avait déjà le moyen de se protéger. On avait trouvé en plus du diamant assez rapidement, c'était plutôt sympa ça, ça a été rapide. On voit, il y a quand même. Ah, du coup, le fer, on le voit. J'allais prendre du bois, hein, tout de suite. Du coup, il ne me reste plus qu'une seule fiole de miel. Ça va être chaud. Pour manger, il faut vite que je trouve de quoi manger, en fait. Hein, parce que ça va être aussi un gros ennemi, hein, la faim. Parce que, du coup, à part la chair putréfiée, qui franchement est pas grand-chose, hein, elle a une très mauvaise saturation, et en plus, elle donne l'effet faim. Ça va être très compliqué, voilà, de pas mourir de la dalle. Franchement, c'est le truc dont on meurt presque jamais dans Minecraft. Et là, ça va vraiment devenir chaud. Un pouce bloc.
Pour l'instant, du coup, c'est au jour, donc on est plutôt tranquille. J'essaie de trouver un endroit pour pouvoir miner un peu de fer et m'installer. Oh, oh non, oh, mais c'est fou ça. C'est fou. Ah, nouvelle génération. Ouais. Là, je vais me faire. Si j'y vais, je me fais exploser. Mais attendez. Mais c'est pas trop pratique ça? Oh, une arbalète. Ah bah ça s'appelle avoir de la chance, hein. Alors du coup, se retrouver là, ça va m'aider. Normalement, il doit pas trop en avoir. Il y a pas, ils y sont pas. Bon, pour l'instant, tant que je me fais pas embêter, ça va, hein. En même temps, je n'aime pas du tout les villagers. Ils sont hyper chauds à massacrer. Si je me fais attaquer, je suis mort, là, hein. Et franchement, la série, si elle vient juste de commencer et que je meurs. C'est plutôt sympa. Généralement, proche de ces structures, on doit trouver des villages, mais je pense que ce sera un peu chaud de trouver un village par là. Mais en tout cas, on a récolté 3 fers et une arbalète. Les arbalètes, ça sert vachement, c'est vachement cool. Bah, on a quand même une sacrée chance de trouver ça tout de suite. Et en plus, il n'y a personne ici. Je sais pas où ils sont passés. Ah, pardon, j'ai eu un tout petit bug, du coup, j'ai rechargé le monde. Ouais, c'est vraiment bizarre. Du coup, il y a vraiment personne. Tiens, je vais prendre ça va me servir. Donc maintenant avec le fer, ce que je peux faire tout de suite, hop, me faire une petite table, histoire faire une hache, ça va servir parce que du coup, mince. Oh j'ai une flèche de lenteur, ça c'est cool. Il y a la nuit qui tombe. Et du coup, c'est parfait. On va aller, tiens, on va aller sur cette île-là pour être tranquille. Ouais, ça risque, ça va bien nous servir si on va là-dessus parce qu'elle est pas grande du tout. Et du coup, il y a peu de chances de se retrouver avec des mobs qui vont venir nous embêter. Déjà, qui commencent à spawn. Non, 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 ils spawnent juste en dessous. Voilà, on va pouvoir être tranquille. En plus, il y a un arbre. Du coup, c'est vachement. On a de la chance, du coup, hein, de tomber. Là-dessus, je sais plus trop comment ça s'appelle, c'est je sais pas, un camp de villager. Et après, on ira là-bas, on va passer pour l'instant la nuit, essayer de trouver rien à manger. Bon, la nuit tombe, bah voilà, ça signifie comme d'habitude, comme dans les anciennes séries. Ça signifie que c'est la fin de l'épisode, un épisode bon, qui était, c'était vraiment le début. Donc on n'avait pas grand-chose à faire, à part de voir quand même. Voilà, on a un joli plateau d'îles, hein, on a plein plein d'îles partout. Là, on va être plutôt tranquille là-dessus. Voilà, on va commencer à attaquer des mobs qui vont commencer à essayer de nous tuer. Et du coup, pour l'instant, bah, voilà, on sait pas, je sais pas trop comment je vais gérer ça. Voilà, ça fait un peu d'XP. Donc bah, je vous dis, voilà, hein, bien sûr, comme d'habitude, on s'arrête là la nuit, ce sera dans le prochain épisode, hein, voilà, on a surtout parlé, hein, aujourd'hui. On a quand même eu un petit peu de chance, hein, on voit, avec cette cabane de. Cette cabane, ce camp de villager. N'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, de t'abonner à la chaîne, et d'aller checker, si tu veux, l'ancienne saison de Aestri, voilà la première, même si c'est quand même assez différent, mais. Tu comprendras les concepts et ce sera plus facile après pour suivre celle-là. Il ne me reste plus qu'une chose à dire. Allez les amis, à la prochaine!